Et yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Garry's Mod avec une action RP qui tombe complètement à l'eau et qui me fait rager de fou. Mais avant ça, il fallait que je vous parle encore une fois de mon partenaire Instant Gaming qui vous permet de gagner le jeu de votre choix. Il vous reste 6 jours et 13 heures pour participer. Donc si c'est pas déjà fait, pensez à le faire. Vraiment, ça vous coûte absolument rien, même pas 1 euro. Vous avez plus de chances de gagner le jeu de votre choix en ayant le follow Verdoz sur Twitter ou le follow Verdoz sur YouTube, et du coup ça vous augmente les chances de gagner. N'hésitez pas à le faire et là vous participez pour le jeu de votre choix. Une fois que vous avez gagné, vous choisirez le jeu de votre choix, mais il vous reste que 6 jours, donc n'hésitez pas à le faire. Vraiment, c'est super important pour moi et surtout pour vous, puisque ça vous permet de gagner votre jeu de votre choix gratuitement, sans rien dépenser, sans rien faire du tout à part créer un compte sur le site. Ça vous coûte que dalle. Pour ceux qui connaissent pas Instant Gaming, même si vous connaissez tous, vous pouvez acheter vos jeux bien sûr moins cher. D'ailleurs, il y a Dead Island 2 sur Xbox à 55€ au lieu de 70. Il y a Assetto Corsa, Ravenswatch, les Sims, enfin bref, tous les jeux beaucoup moins chers que sur Steam ou autre plateforme, donc n'hésitez pas à aller voir. Et aussi, vous avez un nouveau concours qui vient d'arriver, c'est le pack Starter, pack Jedi, et donc avec Jedi Survivor, plus un coffret unique avec le sabre laser. Il vous reste 3 jours pour participer, donc d'ailleurs je vais participer, hop là, voilà, j'ai participé. Donc il me reste 3 jours pour participer à celui-là et 6 jours pour participer à l'autre. N'hésitez pas à faire les deux, c'est gratuit, totalement gratuit encore une fois, je vous le répète, le lien sera dans la description. En tout cas, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur Garry's Mod, où vous allez voir que bah, malheureusement, toutes les actions RP ne sont pas bonnes à prendre, et surtout quand elles sont catastrophiques comme celle-ci. En tout cas, je vous laisse avec cette vidéo, un maximum de likes, abonne-toi à la fin de la vidéo, je vous kiffe. Ouais, la street. Bonjour. Bonjour, ça va, champion? Waouh, waouh, wow, désolé, 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 désolé. Je suis complètement trop chaud, je suis trop chaud. Je suis trop chaud. Trop énervé, là, je suis trop énervé, vas-y. Ça va. Aujourd'hui, on est que deux. Attends, mais... tu vois. Ouais, on est que deux, mais déjà, pourquoi tu m'as pas mis de rehausseur aujourd'hui dans ma voiture? Pardon? Pourquoi tu m'as pas mis de rehausseur? Tu sais très bien que je fais qu'un mètre 69, j'ai besoin d'un rehausseur dans la voiture, là. Moi, je suis tout petit, je vois même pas la oui, route. Mais tu... Ah mais tu fais 1m69, mais t'as des grands bras costauds. Si on te met un rehausseur, tu rentreras plus dans la voiture. Ah ok, ça marche, ok ok. Non, parce que là j'ai vraiment l'impression d'être tout petit, quoi. Aujourd'hui on a un petit document à récupérer, un petit contrebandier du coin qui pourrait nous permettre de savoir un peu les marchandises qui sont en ville. Surtout en fait pouvoir savoir où se cachent les drogues. Ok. Bien compte que c'est un document assez important. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, on va faire un petit peu appel à nos cours d'arts martiaux. En tout cas, j'espère que t'es prêt. Juste, ouais. Pense bien à bloquer les coups parce qu'ils seront plusieurs à l'intérieur. Il y aura sûrement un garde de sécurité devant. On va essayer de passer sans faire trop d'histoire. Ok, donc faut que je coupe, faut que je. Cassera la gueule. C'est comment déjà qu'on part? Qu'on part, c'est vous appuyez sur votre touche recharger. R. Ah oui, c'est R. Ah, c'est nul R quand même pour parer, mais ok. Ah ok, bah, vas-y, vas-y, bah go go, moi j'ai envie de taper des darons. Là, regarde-toi. Coup de pied, dans ta mère. Je suis trop énervé, vas-y. Mais putain, mais je suis trop petit dans ta voiture, j'ai l'impression d'avoir 8 ans, frère. Ouais, on arrive quand? Ah t'inquiète. On doit leur casser la gueule, genre. Ouais, mais on va essayer de passer déjà et essayer de récupérer le document tranquille. Oh, okay. Ouais, il y aura le garde de sécurité. Là il y a pas le garde de sécurité de bizarre ça. Okay, ah si, il y a un garde devant là. Salut mec. Bonjour monsieur. Vous venez au club? Bah oui. Oui, on vient au club, ouais, oui. On vient pas faire plus de temps. D'accord. Bah allez-y, rentrez. Ok, allez, c'est parti, viens. J'espère qu'il y a de la gonzesse à l'intérieur parce que sinon on va se faire chier. Hein. Ouais, j'espère qu'il y a la gonzesse. Bon, oublie pas le putain. Tiens le mur là. Wow, bonjour. Je vais vous prendre un. Non, je reviens. Je vais chercher un peu ce qu'ils nous font. Ouais, me raconte pas ta vie. Je vais vous prendre un mojito. Et pas Virgin. Un mojito, mojito. Bah, c'est parti. Un mojito. Eh bah, c'est parti, let's go. Allons commencer à checker le mojito. Ah ouais, vous checkez le mojito, vous, ok, putain, vous faites ça bien et tout, ok. Et après, on met le sucre autour du gobelet, enfin du verre. Ouais, ok, ouais. C'est pas un shooter, hein, c'est un mojito que je demande, hein. Voilà. Bah merci, allez-y, posez-le. Ouais, enfin, ouais, yes. Je vous dois combien pour le mojito? 5$. 5? Ah oh, bah c'est pas cher, hein. Putain, je viendrai plus souvent. Voilà vos 5$. Merci beaucoup. Merci pour le mojito. Il doit être bien dégueulasse pour 5$. Hein. 5$ le mojito, frère. Moi, je deviens alcoolique, les amis. Hein. C'est bon que t'as récupéré le truc. Moi, j'ai bu un mojito dégueulasse à 5$, frère. Pas trop le français, j'ai l'impression. Attends, je m'ambiance un peu. Laisse-moi tranquille. Là. Il faut que je te parle. Ça fait des mois qu'on se connaît maintenant. Est-ce qu'il faut que je t'avoue quelque chose, Ardell?
Je pense que c'est le bon moment pour te le dire. Arden, cette musique, cette ambiance. Ouais. Il faut que je t'avoue, nous. Faut qu'on s'avoue nos sentiments, Arden. Non, y'a pas de sentiments, là, t'as un peu trop bu, là, je crois. Hein. Ah, ok, ça marche. Oui, bonjour. Bon, je suis revenu avec mon ami, parce que visiblement, vous comprenez pas trop. Écoutez, monsieur, vous allez me donner les documents que vous avez sur vous, sinon ça va mal passer pour vous. Quoi ? Ça va mal se passer pour nous. Ouais, parce qu'en fait, là, y'a des documents qu'on doit récupérer absolument, là. Ça va mal se passer pour nous. Oula, y'a les danseuses de Goblo Dancing qui sont là. Tu crois que ça nous fait peur ou quoi ? Tu te prends pour qui ? Arden, je suis pas sûr qu'on peut tous les taper. Hein. Bon, messieurs, je vous les laisse. Vu que je comprends pas, hein. Non, ça, je vous les laisse. Coups, s'il vous plaît. Ok, mon gars, ok, viens, bah viens, on se calme, mon gars. On se calme. Oh, les gisants. Oh, mais c'est abusé les armes, ça one shot de ouf. Mais non, c'est trop nul. Bah, finis la scène RP. Merci Arden pour cette scène RP vraiment nul à chier. On applaudit très fort Arden, les amis. Merci Arden pour cette scène RP vraiment éclatée au sol. Merci beaucoup. Je penserai à te rappeler la prochaine fois que j'aurai besoin d'une scène RP nulle. C'est pas normal, la donne marche pas. La donne marche pas. Ok, tu sais, je viens d'avoir Yanis. Tu sais pourquoi ça marche pas? Non. Parce qu'il n'y a pas les fichiers sur le serveur de ce skin là, alors que pourtant tout le monde le voit, tu vois. Il est où votre boss, s'il vous plaît? Bah, c'est moi le boss. Ah, ok, on vous suit. Venez, je vous suis, hein. On vous suit, là. Vous l'allez où pour discuter? Un garde qui va venir avec nous. Ah, ok. On va aller voir le patron plus haut que moi, parce que moi je suis censé être un patron. Voilà. Ok. Pas patron, monsieur. Bonjour. Ouais, il nous a menti, votre collègue, là. Il nous a dit qu'il était patron, en fait, il est pas patron. Chef, quoi. Je suis patron, il est chef. On va dire ça comme ça, voilà. Ok, bonjour, messieurs. Normalement. On va vous voir parce que on a des documents à récupérer, c'est ça? De qui déjà? Il a peu d'importance, monsieur. Tout ce que je sais, c'est que vous avez des trucs qui m'intéressent et vous allez me les donner, quoi. Vous avez des documents là sur la table, là. Je les vois d'ici là. Je pense qu'on a rien à vous donner, messieurs. Ah, si, c'est des documents qui sont très importants pour nous. Moi, je pense que si, c'est des documents très importants pour nous. Je pense que vous allez vous dépêcher tout de suite, sinon je vais vous casser la gueule. Comment ça? Les gars! Ferme là! Oula! Là. Cassez-vous! Quoi là? Oh. Allez, venez là! Vous voulez qu'on vous nique? Ok, venez, hein, y'a pas de problème! Il tape trop fort avec les trucs, ça me fait trop mal. Je jure, ça me fait trop mal les battes de baseball. Ok. Ok. Aide-moi. Eh, je t'aide, mais mon gars, c'est chaud. Ok. Viens là, toi. Voilà. C'est qui le boss? Hop là. Vas-y, prends les documents, bon, on se casse. Récupérons cette merde. C'est incroyable. Je crois qu'il y a des flics, les gars. Oh putain, y'a un mec qui nous jette des melons. Y'a un danger qui nous lance des melons, mais t'es un fou, toi! T'es un malade! C'est bon, je l'ai niqué. Il est fou, lui. En plus, ton Morito était dégueulasse. 5$, tu m'étonnes. Allez, faut qu'on se casse. Bah voilà, c'était soirée disco, mon gars. Eh bien, les documents sont été cool. Hein. Le jeteur de melons, je suis sûr, il a jeté un melon comme si c'était une arme, frère. Ah, mais il est trop ouf, la donne. Hein. Par contre, Jack, il est trop bien, la donne, je trouve. Et ce sera la donne qui sera sur le Serious RP, mais par contre il sera beaucoup plus limité, beaucoup plus nerf, parce qu'on peut beaucoup nerf la donne. Et c'est ce qui sera fait, bien sûr. Attends, mais c'est ta maison, ça? Mais elle est oufissime, mon gars, what the fuck? Bah oui, t'as vu, bah c'est ma maison en même temps, frère. Oh, tu t'attendais à quoi? C'est stylé, par contre t'as forcément pas de porte, c'est ma frère. Maison. T'as oublié de mettre une porte, je crois, non? Bah, j'ouvre la porte, bouge pas. Mais du coup, viens, on va voir les documents ensemble pour voir si c'est... Ouais, ta gueule avec tes documents, je veux d'abord voir ta maison de riche, là. Bien joué à celui qui l'a construite, hein. Vous avez des bons constructeurs. Wow, mais c'est blanc de ouf! Ah bah oui, hein. Enfin, j'ai rien contre les blancs, mais c'est vachement blanc quand même. J'ai remarqué un truc, Arden. Tu sais ce que c'est? C'est que ta maison, elle est un peu à l'image de ton cerveau. Elle est super grande, mais c'est super vide à l'intérieur. Quoi? Vas-y, regarde les documents là. Est-ce que c'est des bons documents ou pas? Les différents points de drogue et. Aussi, j'ai un petit truc pour toi. Viens, suis-moi. T'inquiète, oh, c'est bon, on se connaît depuis un moment. Tu m'as assumé tes sentiments dans la boîte de nuit. Boîte de nuit, tu veux un truc de moi ouf? J'ai rien on assumé. Est où là?
Moi j'ai rien assumé du tout moi. Moi c'est sur le moment. Maintenant j'ai plus aucun sentiment pour toi, va te faire foutre. Ah tu vas me faire la cuisine? Bah c'est bien, vas-y, la cuisine un peu. Retourne-toi, retourne-toi, retourne-toi. Oh putain. Ok, est-ce que tu es prêt à combattre ou quoi? Ah bah oui. Ok mon gars, je suis prêt. Moi, on fera pas le poids. Moi ce que je vous propose messieurs. Ouais. Non, vous ferez pas le poids messieurs. C'est quoi que vous me proposez? Vous faites pas le con. Ouais. Et puis voilà messieurs. Pourquoi vous reculez? Vous avez peur ou quoi? Vous avez une arme? Vous avez peur de moi ou quoi? Donnez-nous nos documents ou bah vous allez finir dans le ravin. On va finir dans le ravin nous. Regarde-moi. Ok. Quoi? Récupérez les documents. Revenez là, revenez là. Ah bah les chefs sont là. Allez messieurs, mettez-vous contre le mur s'il vous plaît. Alors je okay, mets contre le mur, je me mets contre le mur, je me mets contre le mur. Bougez pas là, bougez pas. Ah. Non. T'inquiète. Oh. Viens là. Non, viens là. Ok. J'ai tué Arden, c'est pas grave. Non! En vrai, tu peux enchaîner genre 4, 5 personnes. Oh merde, y'a la police! Mais c'est impossible d'en enchaîner plus en vrai. J'ai déjà ceux qui m'ont tué parce que c'est trop dur de me tuer. Je pense que c'est trop dur de me tuer. En fait, c'est ultra cheaté, tu vois, la donne est ultra cheaté. Mais si tu le nerfs, comme on veut le nerf pour le Serious RP, il va être incroyable la donne. Mais là, franchement, même pour eux, je pense que c'est trop dur de me tuer en vrai. Et j'ai tué Assaulty. Mais no joke, par contre no joke, je pense que la donne est incroyable, mais qu'il va falloir le nerf, Tout le monde est mort, sauf deux qui m'ont réussi à me tuer, mais c'est surtout pour montrer cette addon qui est trop cool, et Arden voulait faire une scène RP avec, donc je l'ai laissé faire sa scène RP, qui ma foi était très très courte et très très... bof, mais elle était sympa, on a pu voir la donne et c'était cool. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que t'as kiffé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un maximum de likes pour me soutenir et pour montrer que tu aimes ce genre de vidéo et que tu veux en revoir. N'hésite pas aussi à commenter si jamais tu as des choses à dire. Et tu t'abonnes et tu mets la cloche, c'est le plus important pour louper aucune autre vidéo sur la chaîne.